Monsieur Kelvin ? Merci bien, Thierry. Vous êtes ? Détective Kelvin. Ah, je vous attendais. Je venais de rentrer chez moi et je trouve le corps de ma fille dans ma cuisine. Venez vite. Certes. Calmez-vous. Je sais ce qui se passe. Oui. Vous voyez le bout de tissu juste ici, là ? Il est bourré d'ADN. On va retrouver le tueur d'ici 2 ou 3 jours. Ne vous inquiétez pas. Je sors rappeler le labo. Ah, super. Détective, j'ai merdé. Arrête, bouge pas, je te dis. Bouge pas. Je dirais que c'est la fin de ma carrière. Seul regret, c'est un peu de fait tuer par une merde comme toi. Ah. T'as vraiment pas de chance. C'est le seul endroit de la maison où la balle peut ricocher de la sorte. Mais bon. Est-ce que c'est vraiment de la malchance ? Va savoir. C'est quoi ce que tu veux ? Le père était le tueur, il s'est suicidé. Après le service des dommages de la mort, le tout ça a disparu avant la fin de la journée. Merde, mais quel enfoiré ce type ! Tout le monde sait qu'il tue des criminels, mais il n'y a jamais aucune preuve. Mais ça ne va pas durer, j'ai entendu les gradés parler. Ils vont faire appel à une putain de génie pour le pousser. Mais c'est qui ? Tu ne devines pas ? Non, je vois pas. Mais c'est la détective Motet. Je ne connais pas. Tu ne connais pas détective Motet, tu es de la police ! Cette fameuse détective, il n'a jamais raté une enquête de sa vie. Monsieur le commissaire, j'ai le dossier de Kelvin. Et c'est du sérieux. Mais je prends la situation en main. Comment allez-vous, visiblement ? Je me fais passer pour une meurtrière, auquel Kelvin devra faire passer un interrogatoire. Durant cet interrogatoire, je vais prouver qu'il a essayé de me tuer. La première étape sera de placer des caméras chez lui. Parfait, je compte sur vous, Motet. Parfait, Motet. Quant à moi, je lui ai donné le dossier que vous avez préparé. D'accord. Je vous rappelle après l'interrogatoire. Il est plutôt bon. Il a déduit que la meurtrière était une psychopathe et qu'il pouvait la provoquer pour qu'elle l'attaque. Et vu qu'elle n'aura pas 12 ans, le policier présent dans la salle devra la tuer par légitime défense. Donc c'est toi qui vas surveiller la salle d'interrogatoire. Le plan de Kelvin pour me tuer et de me provoquer pour que je m'énerve et que tu puisses me tuer par légitime défense. Je vais te donner un faux pistolet qui ressemble exactement au vrai. Lorsque je l'attaquerai, tu feras semblant de me tirer dessus. Et grâce aux caméras de surveillance dans la pièce, je pourrais prouver qu'il essaie de me tuer. Ok, ça marche. Bon, reprenons les faits. Le 26 septembre 2020, vous avez tué un membre de notre famille. Mais ne vous inquiétez pas, on a toutes les preuves pour vous inculper. On fout d'un autre. Oh, tu sais, t'en prendras au moins pour le reste de ta vie. Et ça serait bête si les criminels te martyrisent, non ? Imagine, je sais pas, quelqu'un dise dans les haut-parleurs de la prison que tu violes ton fils et
tout de même ta fille. Abrège, qu'est-ce que tu veux? Attention, rien du tout. Te gâcher ta vie, ça serait bien, non, déjà? Les criminels sont la gangrène de la société. La prison n'est pas suffisante pour les punir. Pour qui tu te prends? Je vais te tuer! Ouais. Lâche-le, je tire. Bon, on dirait que j'ai gagné. Tu demandes sûrement comment je vais faire? Ben, je vais te l'expliquer. Premièrement, je surveille ma maison des petits côtés. Tu vois, je sais qui t'es. Deuxièmement, la personne ici présente est mon complice. J'ai découvert une vidéo de lui où il violait un gosse. Et depuis, sous la menace de diffuser cette vidéo sur Internet, il obéit à chacun de mes ordres. Ensuite, tu te demandes sûrement pourquoi le pistolet est un vrai. Alors que t'as toujours surveillé le policier ici présent pendant qu'il était dans la salle, il n'aurait pas dû avoir le temps de changer de pistolet. Tu te souviens, ce matin, tu t'es évanoui. Bien, j'en ai profité pour changer les pistolets de place. Donc, en fait, depuis le départ, tu lui as donné un vrai pistolet. De plus, je savais que j'étais en sécurité. Tu n'as prévenu personne de ton plan dans la police. Pourquoi? Parce que j'ai soupçonné déjà que j'avais un complice. Et enfin, inutile d'appeler au secours, parce que tu l'as remarqué, quand personne n'est venu au feu, les policiers qui étaient devant la porte ne sont plus là. Sur ce... C'est bon, j'ai tué mes 10 000 personnes. J'ai fini ma carrière. J'ai terminé mon tableau de chasse.